Ah, j'ai vu, ouais. Ils sont en train de démonter la pelouse. Il va y avoir des trous. Ouais, ils tombent de la pelouse. Ils mangent de l'herbe. Oui, bah oui, oui. Ils mangent de l'herbe. Donc c'est le Rolling Club de Marseille, couloir numéro 6, qui mène les débats. Alors que l'autre bateau du Rolling est quelque peu en retrait. Je pense que la deuxième place pour l'instant c'est au couloir numéro 3. Non, ah oui, bon bureau, pardon. Allez, 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 allez. En troisième position avec des problèmes de gain de temps, sur les gars qui sont rares à démarrer dans le lit ce matin, c'est le sérieux qui va arriver. Allez, 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 allez. Le bon du roi qui a volé comme un boulet de canon. Et c'est pas fini. Oh là là. Allez, ça tue. Troisième, le sérieux, par dépit. L'appendix c'est bien. Quatrième. Cinquième Avignon, très très près. Autre bateau du rowing qui prend. Oui, Marine, dans une demi-heure, on y va. Hein. Oui. Marine. Oui. Entre Annecy et Vichy, avec un léger avantage, me semble-t-il, pour Vernet du club de la Lyon de Vichy, pour couvrir le numéro 3. Je vous rappelle que c'est le 4 et le 3, il y a un petit peu de boulot qui a des déclarés forfaits. Donc pour Saint-Cassien, l'affaire est encore bonne. Même si ça dirait pour en compagnie, il y a un âge. Jean Bardet, c'est quoi de l'arrivée? Cinquième donc.